Au début, c'est toujours comme ça. Toujours un petit peu speed. Bah, dès que tu chopes le rythme, tu fais un petit peu ce que tu veux en montagne après. Quand je vais appeler, tu vas voir comment elles vont répondre. Je suis toujours obligé d'appeler d'ici, avec l'écho, tout se répercute, et après tout vient au fur et à mesure. Et notre but, c'est de s'aller en bas, là. Il y a tout là-bas. Normalement, tout se tient toujours comme ça, là. Qui c'est la plus belle? Alors, tu veux du sel? Hein? Ah ouais, tu veux du sel? Non, pas gay, carré, les fumées, doucement. Allez, bé, hé, hé! Allez! Allez! Doucement, les fumées! Allez! Ça, c'est au début, c'est toujours dangereux parce que elle s'escale toute, elle se bombarde toute. Bien, le fibet! File! File! Va te coucher, caval! File! Je te crève! Viens, le plus belle! Ah, qui c'est le plus belle? Tiens, tiens, tiens! Ah, ah, ah! Sale, les plus sales! Tiens! Alors? Ah, tu vois qu'il y en a bien une qui me connaît quand même, hein? Quand même. Hein, les filles? C'est dimanche, hein? C'est le jour du Seigneur! Sale, 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 sale! Allez! Hein? C'est comme à l'église. Allez! C'est l'hostie. Je bénis. Viens. Plus d'hostie. Viens, le fibet! Allez, pas de bagarre, hein? Et... C'est bien. Ça vient doucement, doucement, doucement. Belle fille, doucement, faites pas les chaudes, hein. Ça, c'est que mon parcours d'automne, quoi. Hein. J'ai 350 mères ici, quoi. J'ai toutes les têtes ici, quoi. Ah, il m'en manque, hein. J'en ai qui sont en bas, là. Hein. Ils sont en bas, là-bas. Ils ont dû être surpris par l'orage, ils ont dû filer, quoi, hier. Parce que tout le monde se mélange pas tout, hein. Il y a des troupeaux qui supportent pas d'autres troupeaux, hein. Il y en a qui s'apprécient, il y en a qui s'aiment pas, quoi. Et chacun mène leur train-train. Hé là, belle fibée, hé. Elle était mal fichue en arrivant en estive. C'est bon signe que l'herbe est bonne parce qu'elle s'est bien retempée en un moins de temps.
La poulette. Et à la fille. Celle-là, là, je sais pas si elle est parasitée ou quoi, mais elle est maigre, elle est pas terrible, hein, avec son poil. Pas terrible. Ah, j'ai quelques veaux qui pleurent, c'est pas trop grave, hein. Mais ça peut s'envenimer. Les mouches. Toujours au début de saison, comme ça, les mouches. Là, je sais que par exemple, j'ai lui qui boite, c'est sûr, il faut que je prévienne l'éleveur, son patron, quoi. Son propriétaire. Il a dû se scanner quelque part. Ça, je sais pas si c'est pas un panari ou il s'est fait mal quelque part. B, poulet B, t'es. Va te coucher, toi. File. T'as rien demandé. On vous a rien demandé. Là, c'était un truc, il fallait être fin, quoi. Bien regarder, toujours bien analyser. Être sûr de ce qu'on fait, quoi. Capter tout, le moindre détail, quoi. Voir le comportement. Tu vois? Oups. Soit une vipère, ou je sais pas. Hein. Alors, on fait le show. On fait le show. Et hein? On fait le show. Hein? Tu veux pas nous rentrer dedans quand même, hein? Hein? C'est toi le plus fort, on le sait, hein? Tu fais le show. Hein? Elle a dû sentir un autre taureau. Un autre taureau qui arrive ou. Il est en train de narguer. Dans 15 jours, ils se reposent. On les mettra dans une estive à part. Ouais, gars, il arrive au-dessus, il l'a vu de loin. Tu vois, il arrive au-dessus, là. Ils se sentent, hein, comme des chiens. Hein. Des vrais mecs, des vrais mâles. Ils se sentent de loin. Ils se racontent leur petite histoire, en plus, hein. C'est sûr, hein. L'air de dire, moi, je suis là, hein. C'est moi le patron, hein. Elles sont à moi. Vas-y, déboule, on se passe ton aura. Quand il y a le brouillard, en vérité, on ne peut trop rien faire, parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent. Hein. Non, personnellement, j'ai quelques repères, mais je m'y perds aussi. Hein. Malgré que je connais la montagne, je me plante. Hein. L'année dernière, je me suis bien planté. Hein. Alors des fois, si tu as des bons chevaux, ils peuvent te ramener. À ton refuge, quoi, ta cabane de berger. Mais je
te dis pas, si t'as deux bons chiens, t'en ramènes aussi. Mais si tu te paumes, tu te paumes. Hein. Ça, je peux te le dire. Alors des fois, de ce temps-là, vaut mieux pas trop bouger. Je pense. Hein. À mon stade, à mon niveau, à moi. Bon, faut être téméraire. Hein. Des fois, c'est bon, il faut y aller. Hein. Mais pas trop prendre de risques, quoi. Pas trop s'éloigner, quoi. Mon grand maximum à 2 heures de chez toi, quoi. À mon stade, hein. Bachabé! Mais c'est impressionnant, le brouillard. Il y en a qui s'en chopent des diarrhées, hein. À se faire peur, quoi. Mais une fois, il y a un gars qui est parti en Montana avec d'autres cavaliers, quoi, pour aller rechercher des juments. Et ils ont tous... À la longue, ils se sont rendus compte qu'ils tournaient en rond, quoi. Et il y en a un du lot, quoi, qui s'est carrément arrêté. Pourtant, il y avait une femme cavalière, hein. Il s'est carrément arrêté à cheval et... Il avait tellement peur de se perdre qu'il a fait tenir son cheval qu'il a chié juste à côté de tout le monde, quoi. De frousse, quoi. Mais je comprends, quoi. Je veux dire, moi, je me suis déjà vraiment fait peur, quoi. À plus savoir quoi, à gueuler, à savoir s'il y a quelqu'un autour de toi, s'il y a tes amis cavaliers, s'il y a des propriétaires, des éleveurs. Et parler aux chiens, au cheval, pour leur faire comprendre aussi qu'ils te ramènent à domicile, quoi. Hein. C'est pour ça, comme on dit, la montagne, elle se gagne. De toute façon, est toujours maître. Viens, Bachabé. Tiens, Julo, tiens. Allez, hein. Tiens. Ça, mon but, c'est que je les fasse bien. Ils sont nés en montagne, hein. Ils sont transhumants. Restez là, les chiens. Les cavaliers, hop, on passe là. Eh, viens, Doudou, tiens. Doudou. Qui c'est qu'on veut? Qui c'est qu'on veut? Eh, viens, Doudou, viens. Allez, c'est bien, c'est un bon cheval. Allez, c'est un bon cheval. Lui, c'est un vrai bandit, c'est un sauvageon, lui. Normalement, on commence à la... C'est un bacha, il est à peine dressé, là, maintenant. Il va avoir 2 ans, là, bientôt. Lui, il me donne les pieds, ils étaient tous sauvages. Lui, je travaille avec. Faut que j'attrape le doyen, l'ancien, Bacha Gabé, hein, je fais pas le show. Et après je peux commencer à faire les. À les travailler doucement. Lui, ça fait que 2 semaines que je le travaille à peine. Hein, poulet. Alors, qui c'est? Hein, c'est moi, hein. Tu me mords pas, hein. Avant on ne l'approchait pas, il est né en montagne, hein, lui. Hein. Je me rappelle, il était tout noir quand il était petit. Et maintenant. Il commence à un petit peu donner s'il fait pas d'idiot. Normalement, il me donne. Eh ben, Bacha, donne, il va pas te... C'est bien. Tu vois? Viens, la fille. C'est bon, Gardinette? La fibée, ah. Là on trie tout là. Allez bé. Allez là. Bé la fibée, ah. Allez bé. Allez bé. Oh, elle doit être costaud elle. Ouais, la belle, il y a qu'à la faire venir. Ouais. On va faire venir la belle et la belle, ils veulent la... On la sort dehors, ouais. C'est bon. Ça va gueuler, tu peux ouvrir la porte, Galinette. C'est bon. Et dans le lot qu'on a ramené, il y en a un, Marc et Binu. Non? Non, il n'y a que... Non, t'as Régis, t'as Régis, pas vu, toi. Régis, Christophe et Binu, c'est tout, hein. Non, hein.
Il n'y en a pas d'autres, déjà il y en a ah pas. Ah ben c'est bon, comme ça on a pas... Il y a la 122 déjà, heureusement. Ouais. Et à la rosée, la rosée des Pyrénées, elle a dit on va manger, tout après je prépare l'autre cheval. Et on retournera. Hop, on y va doucement à la roquette. Et de toute façon, nous ressortirons des bois. Ouais, hein. Bah oui. Les éleveurs n'aiment pas trop quand je mets les chiens, mais moi je laisse pas réfléchir les vaches. Moi je préfère voilà, mettre les chiens et tout ramener en vrac à la cabane et après. C'est des merdes, là on a tout à l'eau et je crois qu'il n'y a pas la rosée des Pyrénées, je suis persuadé. Ils ont eu juste au-dessus là. Et eux ils sont énervés. Ils sont énervés. Et de toute façon, Mais c'est pas, ça s'est pas fait un jour hein, Romain. J'ai pas toujours les. C'est prenant. Et on avait tout. Le pire, c'est qu'on avait tout. On a tout vu. La manipulation la plus nulle que j'ai pu faire depuis 5 ans que je suis là. La plus nulle. Non, moi, je pensais, Daniel, qu'on allait mettre toutes celles-là ici, on les boucle et après, on monte pour chercher la 18. Tu vois, avant d'arriver à la cabane, je les ai mis du côté droit. Versant où les votes se sont barrés, mais plus au-dessus, vers la balmette. Là, il faut pas refaire. De toute façon, c'est obligé de manger, de ne pas manger dans les bois. Et nous, gars, toi, Berthe, je vais faire ça. Je vais passer par la congère, là, juste là. Juste la congère du bas. Ouais. Et de racler tout ce qu'il y a derrière, là. Et rap. Et de faire en sorte qu'elle vienne là. Elles n'ont pas de veaux. Moi, elles ont toutes des veaux. 19. Oui, il y en avait un Kunuzu. Donc, la 2710 devait être un Kunuzu. Tu le donneras La 2710, elle a 3 ans, grand maximum. Elle a eu 3 ans, c'est une première veillée. Elle est 12. Donc, c'est pas possible, elle est jeune. Il y a la 6000. Ah, c'est ça. 2710. Ouais. Ah, bon, elle est liée, celle-là. 2710 à Kunuzu. Ouais. Et toi, tu es à 62710. Ça tient sa fille. Oui. J'ai la fille, moi. Hein. Mm. C'est moi qui ai marqué ça, là. C'est mon écriture, ça. Non, c'est pas celle où toi, tu me dis que c'est toi qui as foutu la liste. Non, 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 ça, c'est pas ton écriture, non, Colette. Ça n'existe pas, celle-là, c'est 1861. Ah bon? Ouais. Si. Non, 5828. Hein. Non, 5828, elle est là. Elle est là. 5061. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ou alors c'est 5811. Non, elle t'a connu. Même 5061, tu l'as pas normalement. Elle t'a connu Zoul aussi. Et quand c'est 5, c'est les 95. Ouais. Ça fait que ça. 18, 99, c'est les premières vélées. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, quoi là, tu l'es? La 5023. La 023. Je l'ai. Et la, si c'est la celle de 95, je l'ai. Et la 5023, c'est toi qui l'as? Oui. Caillou, ouais, ouais. C'est la 023, la mère, tu l'as pas? Ouais, la mère, je l'ai pas.
Tu veux le faire là? Devant là? Au cas où? Mais de toute façon, il va pas tomber tout de suite. Hein. Ouais, là, ce serait pas mal. Je te le ramène. Ouais, c'est toi qui vois, je te le ramène après. Ouais, tu là. Vois. Il se réveille un peu, tu me le dis, je réanesthésie devant plusieurs fois, de toute façon. Hein. Donc tu vérifies, ouais. Rassure-le la tête quand même, voilà. Tu le rassures, bien. Parce qu'il est quand même vigile, hein. Il ouais. Sent rien là, mais il est... Ouais. C'est quand même ce qui lui arrive. Bon. Cavalier s'est tapé les burnes. Une jument seule là, à pas de poulain. Caval, j'ai un autre lot encore en bas là. C'est pas le même que tout à l'heure en tous les cas. Si je crois. Si.
Si, 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 c'est le même. C'est le paradis, hein. Les vaches sont tranquilles. Chut, Kamal, on est... Je me demande si celle-là, elle fait partie de ce truc. Oh là là, il y a un veau qui s'est corné là. Non, sans. Oh purée, avec des mouches en pagaille, oh bon Dieu. Chut, on se couche, on file, on file. Il y a un veau qui s'est corné là. Je sais pas si c'est bon ou pas bon, tout ça. Je me demande ce qu'ils font, comme ça ils se battent ou je sais pas moi ce qu'ils font. Mais c'est corné. Chut, doucement hein, les filles, hein, parce que celle-là elle charge un peu ces vaches. Oui, c'est corné le veau dedans. Je crois que c'est corné, j'espère. Oui, c'est corné. Oh merde, il est en sang. Je sais pas ce qu'il faut faire, non. C'est pas trop grave ça. Le veau, c'est corné, mais c'est pas grave. Je vais pas descendre toute la vacherie pour un veau corné. Hein. On dégage. On dégage. On dégage. Mais les filles, alors, putain, elles sont grasses en tous les cas. On se couche et on dégage le cavale. On dégage le cavale, je te crève. On dégage. Bon, elles sont grasses, hein. Cette année, c'est une bonne saison. Hein. C'est une bonne... B, les filles, B, n'ayez pas peur, B, c'est moi. B, on s'excite pas sur moi, hein. C'est le bâcher du caillou, là. Hein. Sinon ça s'est très bien passé ça. Je pense qu'il a dû se coincer dans les éboulis, un truc comme ça. Parce que j'ai juste une vache qui est morte à côté dans les éboulis, mais qui est impressionnant. Hein. La vache a les cornes défoncées, les pattes défoncées dans les éboulis. Mais c'est vraiment impressionnant. Hein? Ahmed, je crois. Ahmed, je sais pas comment elles ont pu faire pour arriver jusqu'au Madre. Je sais pas comment elles ont pu faire. D'habitude, c'est les vaches à Christianville qui sont toujours le plus haut. Et là, ces vaches-là, boum, au Madre. En 30 secondes, ils étaient au Madre. C'est pas normal quoi, depuis le début de saison j'ai trois bêtes comme ça qui sont perdues en montagne et chaque fois coincées dans des pierriers, dans des cailloux. Ça fait que ça va de soi que je pense que c'est que ça bouge quoi. C'est vrai que ça bouge en montagne, ils viennent tous avec des chiens. Et bon vu, pas pris quoi. Hein. Mais je pense qu'il y a des choses qui se passent en altitude, c'est sûr. Ils ont tous des clébards, dès qu'ils nous voient à cheval ils mettent les laisses. Et tu vois, et de la façon que mes vaches sont bousillées, que ton poulain est bousillé. C'est que ça, il y a du monde en pagaille au Mad, il y avait plus d'une trentaine de personnes là. Et tu vois, j'ai fait un petit commentaire sur ça, quoi. Je pense, comme je disais, la montagne, elle se gagne. Les gens, ils arrivent, ils s'imaginent que c'est Euro Disney.
tout, on sait pas, on peut pas dire. Si c'est les gens qui les bousculent, si c'est... Après, on se dit... Fracture, hein, tout est pété, hein. Je dis, bah, de notre temps, les gens respectent plus rien, je crois. Tu demandes maintenant si, si la montagne c'est pas devenu Paris, tu vois? Ouais, la banlieue, la ZUP. Là. Tu demandes. De toute façon, on peut rien faire, il faut le laisser crever, je sais pas moi. Hein. On verra. Le tout c'est de le signaler quoi. Bon, la banlieue maintenant, la montagne c'est la banlieue. Allez. D'habitude, j'avais jamais de bêtes qui venaient là. C'est bizarre. C'est la première année que. Ça, c'est le Campana. Je crois en Australie ici. Et là, c'est la première année que j'ai des bêtes qui viennent ici et dadam, hécatombe. Hécatombe. Pourtant, elle est belle cette montagne. Il y a de la place. Hein. Je sais pas comment. Comment qu'on peut faire pour bousculer le bétail comme ça. Pas vu, pas pris, mais quand même, ça fait quand même la troisième bestiole en 2 mois. Hein. Troisième bestiole. Et je les ai vus en quiller ces vaches tout au-dessus là, il y a 10 jours de ça. Je me suis demandé si elles ont même pas été héliportées pour arriver là-bas. Je dis, c'est la première année que j'ai un lot de vaches ici. Dégoût de tout, j'ai toujours l'odeur de la charogne. Une odeur de mort. Bon, sinon tout se tient bien. Il y en a un, il y a un lot qui est juste. En plus je pue la vache morte là parce que je viens d'enlever les étiquettes pour la vache. J'ai encore l'odeur de la vache morte. Il y a un lot qui se tient juste à la glèbe du bas. Tu vois là, à cette fameuse jasse où il y a les vaches à dos le feu qui se mettent là des fois. Et puis un autre lot qui se tient juste avant le Bernard Sauvage en bas. En bas, mais bien bien rassemblé. Hein. J'ai pas filé du haut, hein. Ah, je les ai pas vus. Non, j'ai pas été là-bas, quoi. Ouais. Mais j'ai rien vu de spécial, quoi. Hein. Sur les juments, j'ai rien vu de spécial, quoi. Je me suis. Ouais, je peux pas te dire mieux, Joseph. Ouais. Allez, ciao, Joseph, merci. Ouais, il est pas content, lui. Normal, hein. Bueno. C'est bon, alors on va gagner. Allez, allez, ah. Encore une. Allez, allez. Voilà. Ils sont bien, là, voilà, ça c'est bon. Comment que la langue soit dessous? Que la langue soit dessous et le pistolet au dessus, quoi. Ah, d'accord, oui. Allez, allez. Allez.
pour 6 mois, les gars. Et je te vois speeder à chaque fois, je me dis putain, quelle chance il a d'être là, dis donc, avec le feu et tout. Quand tu me vois speeder, c'est tout le monde qui me speeder. Oh, bah, à chaque fois que t'es là, je t'ai speedé, merde. Comme je t'ai vu une fois à coup, dire tiens, je vais vous faire un petit verre, on va se calmer, on va parler de nana et tout. Tu me parles toujours d'ours, de. De loup, de. De carpiccio, de. C'est loin, non, là, où ils sont crevés, là? Ouais, c'est une 6 km. Enfin, c'est oui. 6 km, il faut faire un détour. C'est un gros détour, qu'il faut faire. Ouais. Ouais. C'est accessible. Ah, quoique, c'est une grosse corde. Eh ben. On va par Planias, la porte de Planias, et... Oui. Ah non, 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 t'es obligé d'aller à Planias, parce qu'il y a l'autre. Et l'autre, il est mangé bien là, hein. Et alors? Il faut bien qu'ils aient mangé, hein, les animaux, ouais. Qu'ils meurent. Bah, ils sont bouffés par les mais bestiaux. Pourquoi ouais. Tu me dis, il y a des traces de croûte ou... Qu'est-ce qu'il y a dit, ça? Sardis. Bah, tu les écoutes, toi. Non, écoute. Et quand ils sont morts, il y a toujours des traces de crocs. Et des bestioles, ils viennent bouffer, hein. Ouais. Il y a des traces de crocs. Ouais, ouais, ouais. Il y a les loups, il y a les ours, il y a les renards, il y a les vautours, il y a les aigles. Il y a du monde. 80 vautours cet été, quand même. Moi, ça m'étonne. 80 vautours, ça t'étonne. Oui, il a dit ça. Non, il y avait l'Office national de la chasse, il y avait tout le monde. Ah oui, 80 vautours, jamais vu dans les PO. Ah, ça alors. Autour d'une charogne. Putain. Ah, autour de... Ah ouais, il rentrait la tête dans le ventre, tout, par derrière, pour manger. Ouais. Et il y avait un dominant, se mettait sur la carcasse, et les autres, ils faisaient les tecs autour, ils bougeaient pas, et il y en a un qui grattait, il profitait. Il rentrait la tête, il y avait deux filles qui étaient avec nous. Elles ont vu ça, et une des dames, elle voulait faire une robe d'indienne pour sa fille. Et au début, on ramassait les plumes de vautour. Et quand elle a vu les vautours manger comme ça, elle fait « Ma fille portera pas une robe comme ça. » Elle a balargué des plumes. Mais des belles plumes, hein. Ça aurait dû les garder pour faire l'indienne, là. Ah oui. un slip, avec des plumes, ça plaît. Pour les nanas, qui a un slip. Ah ouais, sur doudou, là, c'est... Tu vas au sonamix, tu vas au sonamix avec ça, avec des plumes autour. Un cèpe à côté, qui c'est qui veut le cèpe? Oh, un cèpe, oh putain beau, hein. Ouais. Ah ben c'est là, hein. Ah, c'est le, hein. Tu vois? Ben non, c'est un Satan. Un bolet de Satan? Non, pas un Satan. Satan, il est blanc, c'est un coupe-l'œil, il devient tout bleu. Il devient tout bleu intérieur, bleu indigo. Ouais. Attends, tu vas là. J'aime pas les champignons. C'est bon, là. Non, c'est pas... Satan, il est blanc. Voilà. C'est beau. Ça va? Ouais, ouais, je voulais le mettre là. Comme ça, les bestias le mangeront comme l'autre. Ouais. T'as vu comme elles sentent la mort, les vaches? Amour, pêchasse. Ouais, c'est bizarre. L'autre jour, ton cheval, là. Le rouge. L'autre, moi, quand j'étais aux études, je vous attendais. Ouais. Il avait peur en regardant, tu sais. Il s'approchait de votre du mort. Il sentait comment, la mort, c'est incroyable. Ça, il y a le truc, ils ont même des gueulements que... T'as vu comment il était pelé? Tu ne reconnais pas. Donc il y a un voix, lui.
Ouais, là, il est. Séché. Il a même pas 6 jours. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Et les renards et tout, tu vois qu'il y a du monde. Même pas 6 jours, hein. C'est pour ça que la nature profite aussi. Eh bien oui, il y a des bestiaux là. Alors si tu fous de la chaux dessus, qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouffe, personne ne mange. Et il pourrit moins vite parce qu'avec la chaux. Qui manipule bien les vaches parce que. Là, vous étiez parti par là-haut. On dirait des chiens, mais c'est pour le chien. Hein. Ah, youpi. Youpi, yep. Ça, c'est pour le chien. Yep. Yep, 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 yep. Come on. Ça, je veux pas, hein. Ça, je veux pas. Tu vois? C'est la fin de saison, ils savent que je suis sous tension, là. Ils se rivalisent. Pourtant, ils bossent toujours ensemble. Thank you.
sa tête. Il est heureux d'être homme solitaire. Si demain je pète, j'ai pas peur de péter. Même si je pète en montagne, j'ai pas peur de péter. Ma chose, elle est pas là. Je veux dire, je la vis comme ça, je la vis bien. On va tous péter un jour. Péter, c'est crever et mourir. Hein. Mmh. Mais c'est de vivre tous ces bons jours. Toi, tout, chaque jour se compte. Moi, chaque jour que je fais, je les compte. Et que, si, par exemple, je reste un mois au chômage d'hiver, vu que je suis saisonnier, mon but, c'est de toujours d'être en montagne. Parce que je vis, je survis, et ça m'apprend à vivre, je peux pas dire mieux, je veux dire, il y a toujours des trucs qui me retiennent à la vie, dire vie, il y a toujours quelque chose à faire, vie.